Gloire à Dieu, vous venez témoigner parce que Dieu vous a levé des blocages. C'est ça, c'est ça. Venez lui dire merci. Allons-y pour le témoignage. Ok, donc je dis encore bonjour à tout le monde. Et puis surtout, déjà un grand merci à Papa Florian. Et que je suis venu voir il y a un peu plus de un mois, mais avant que je ne sois là, vraiment tout allait mal pour moi. Parce que j'étais sur le point même de démissionner, d'abandonner le boulot que je faisais. J'étais déjà allé voir un ami, voilà, pour essayer de voir si je pouvais reprendre les choses avec lui un peu. Parce que j'étais déjà dans un boulot, mais je voulais laisser en tout cas. Je ne savais pas pourquoi, mais je voulais laisser. Mais donc, quand on est venu, Papa Florent nous a donné les instructions, la prière, et puis bon, vraiment, il y a beaucoup de bénédictions, tout ce qu'on devait faire. Et j'ai tout appliqué, surtout le sang de Jésus que j'ai utilisé. Avant que je n'arrive à la maison, mes collègues, d'autres avaient fait déjà un mois, deux mois. J'appelais même, ils ne décrochaient pas pour le travail, ils ne me décrochaient plus. Mais c'est eux, depuis quand on est quitté ici le jeudi, avant que je n'arrive à la maison, il y a un qui m'a appelé pour me dire, viens me voir pour qu'on échange un peu. Il est venu s'asseoir, bon, je ne sais pas ce qu'il est venu dire, mais il est venu pour causer comme ça dans le vide. Après, il m'a dit de l'accompagner un peu. En tout cas, j'ai compris qu'il y a des choses qui étaient en train d'être déliées autour de moi. Et le Papa Florent aussi m'avait dit que de voir vraiment parce qu'il y a des choses qui allaient se passer. Et celui-même qui était l'acteur principal de toutes ces choses, lui, pour un rien, on est venu le jeudi voir Papa Florent, le samedi, le mercredi qui a suivi net, il a décidé, il dit, il ne vient plus au bureau, que lui, il abandonne le travail, il abandonne le bureau. Il ne veut plus venir au bureau parce que vraiment, lui, il n'est plus à l'aise dans le bureau. Voilà. Or, en son temps, il voulait pas me voir dans le bureau. Quand il me voit, il montait tout le monde contre moi. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui décide de ne plus jamais. Et ça fait déjà un mois qu'il vient plus au bureau. Et il a décidé d'aller travailler ailleurs, dans une autre ville, Soubré. Il peut plus travailler à Abidjan ici. Et c'est comme ça que les choses sont passées. Bon, depuis là aussi, il faut le dire, tout a commencé à bien marcher. Le travail avance. Et même, ça fait une semaine de cela, j'ai eu une grosse promotion. Voilà, ça c'est la bénédiction de Dieu aussi, la main de Papa Florian avec Dieu. Et donc je suis venu ce matin lui dire grandement merci. Merci. Et voilà, merci. Merci. Et aussi j'ai préparé une maudite enveloppe. Non, pas une maudite, une bénite. Une bénite, pardon. Voilà, je m'excuse. Oui. Voilà, une bénite enveloppe pour lui et Dieu surtout. Pour dire merci. Voilà, continuez à faire croître l'œuvre. Merci pour. Voilà, on ne dira pas ce qu'il y a dedans. Ouais, voilà, merci pour le don. C'est un don. Ça vient du cœur. Ce qui vient du cœur est toujours agréable à voir. C'est ça. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et continue de combattre. Amen.